push the tempo, 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 push the tempo. Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui on va parler d'une superbe application pour iPhone de GPS gratuit. Faut croire que ça existe, qui s'appelle Waze. Locan, t'es sûr? Je me sens un petit peu foireux ton truc aujourd'hui. Mais non, t'inquiète pas, c'est une application qui va te faire gagner un max de temps et un max de sous. Waze, c'est un GPS communautaire et c'est surtout mon gros coup de cœur 2012. Communautaire? Ça veut dire que les gens font les cartes eux-mêmes? Santi, tu fais quoi là? Là, je finis gentiment ma rue, et comme ça, d'ici une trentaine d'années, la Suisse se sera faite, on pourra commencer à utiliser l'application. Calme, calme-toi. Waze a déjà toutes les rues du monde entier et même les allées du parking, c'est pour te dire. Waze est un GPS connecté, c'est-à-dire qu'il va télécharger au fur et à mesure les cartes dont vous allez avoir besoin dans votre navigation, avec un petit rayon de sécurité. Donc ça veut dire, évidemment, qu'il vous faut une connexion de data sur votre smartphone. Un iPhone ou un Android ou même un BlackBerry sans connexion data. Le bon point, c'est que du coup, Waze va vous proposer de l'infotrafic en live tout le temps. C'est inclus dans le logiciel, ça fonctionne comme ça et c'est son gros point fort. Quelqu'un passe devant vous, voit un radar, un accident ou quoi que ce soit d'autre, il le signale, vous êtes à 100 mètres derrière, pouf, un petit pop-up qui vous affiche ce qui s'est passé devant. Évidemment, ça marche aussi si vous êtes à plus de 100 mètres. 100 mètres, c'est pour donner une idée. Waze va apprendre de vous, c'est-à-dire qu'à force de faire un trajet quotidien, par exemple de chez vous au boulot, il va savoir que le trajet que vous faites tous les matins, c'est celui-là que vous préférez, et vous donner des trajets plus rapides éventuellement quand il y aura des bouchons sur celui-là. Comment il fait pour savoir qu'il y a des bouchons? Tout simplement, vous roulez avec Waze accroché à votre petit pare-brise dans votre voiture. Quand il va voir que vous ralentissez à un endroit où normalement vous roulez à 50, eh bien, il va se dire « Ah, il y a peut-être un petit souci à cet endroit-là, ça ralentit, etc. » C'est pour ça que sur les cartes, vous allez avoir des rues qui vont être en rouge avec une petite indication, un petit panneau qui va vous dire « Là, ça roule en moyenne à 4 km/h en orange, ça roule entre 11 et 20 km/h, etc. » Et vous pouvez savoir à l'avance à quelle vitesse ça roule, plus ou moins sur le trajet que vous allez prendre. Par contre, vous pouvez très bien choisir d'améliorer Waze et vous-même de signaler « Hop, un embouteillage modéré important où je suis carrément à l'arrêt, proposer des photos, enregistrer votre voix pour dire « C'est la merde, on te souris !» ou tout simplement dire qu'il y a un embouteillage. Et le top of the pop, motherfucker, c'est que Waze est totalement gratuit. Il fonctionne sur iPhone, sur Android, sur BlackBerry et sur Nokia Ovi aussi. C'est un truc dont j'ai jamais entendu parler, personne n'en a de toute façon. Mais qu'on ne me parle pas de Google Navigation sur Android. C'est de la merde. Il connaît pas le trafic, plus ou moins en fonction des horaires. Il connaît pas les radars, il connaît pas les embouteillages, il connaît rien. Alors que Waze, il connaît tout. Ok, je suis convaincu. Mais carrément, je t'ai dit, c'est mon coup de cœur de l'année 2012. Alors, si vous cherchez votre chemin dans les groupes, par exemple, puisque Waze est un communautaire, il y a également des groupes. Sachez qu'il y a Locan.fr qui a son petit groupe aussi sur Waze. Donc vous pouvez juste cliquer sur Join the group et venir joiner the group avec nous. Ça sera la classe. Alors, bonne route à vous. Faites attention, roulez pas trop vite, même si ça vous affichera tous les radars, etc. Faites gaffe. Et puis, si jamais en point de destination, vous voulez mettre notre page Facebook ou notre compte Twitter, vous êtes les bienvenus. Ici on est donc dans Waze, si on vient de toucher la petite application, ici on va pouvoir naviguer. On va lui dire par exemple qu'on veut aller aux arènes de Nîmes. Hop, on va rechercher. Et ensuite ici en bas, vous voyez, vous pouvez vous balader dans Waze. Waze nous trouve aller des arènes à Caveirac dans le Languedoc, ce n'est pas ça. On va voir Google. Google nous trouve Arena of Nîmes, c'est plus ça déjà, aux 4 boulevards des arènes à Nîmes. Bing et Microsoft ne trouvent rien. Foursquare va nous trouver des résultats aux alentours de Toulouse et c'est pas ce qui nous intéresse. Dans mes contacts, il n'en a aucun qui habite à Nîmes tout simplement, donc on va passer par Google et ici on va venir sélectionner ce trajet. Ce qui est dommage, c'est que là on a juste le choix de dire allez et que ce trajet emprunte des autoroutes, mais on ne va pas nous proposer au moment où on choisit ce trajet d'éviter ou d'emprunter les autoroutes. Si on choisit parcours, il va nous afficher plusieurs parcours, mais qui, selon les réglages que nous avons mis ici dans navigation, emprunteront ou n'emprunteront pas des autoroutes. Il faut donc à chaque fois qu'on veut éviter des autoroutes, revenir dans les réglages navigation, éviter les autoroutes ou éviter les routes à péage. Une autoroute peut être une voie rapide gratuite. Une route à péage, c'est une autoroute au sens français du terme.